Ce protocole d'accord signé ce lundi devant le gouverneur de la province de Wadaï, Bachar Ali Souleymane, et le président du comité de réconciliation, le conseiller national Mahamad Saleh Ahmad Khayar, prévoit la recomposition du conseil d'administration du centre en impliquant les habitants du site dans la gestion du centre. Et la présidence du conseil d'administration revient de droit au membre fondateur, Cheikh Tahir Abdelghani Ahmad, l'ancien directeur du centre. Au cours de la cérémonie, les deux parties se sont engagées à privilégier l'intérêt supérieur du centre d'Al Salam qui a formé depuis sa création il y a plus de 20 ans de milliers de jeunes en théologie islamique au détriment des intérêts personnels et égoïstes. Le président du comité de réconciliation, le conseiller Mohamed Saleh Ahmad Khayar, a remercié vivement les plus hautes autorités du pays. Plusieurs personnes se sont relayées pour apprécier cet accord de réconciliation. Pour sa part, le gouverneur de la province de Wadaï, Bachar Ali Souleymane, qui a félicité le membre du comité de réconciliation, a promis accompagner la nouvelle administration du centre d'Al Salam Mabrouka d'Abéché dans l'accomplissement de sa mission. Notons que les habitants du site Mabrouka, représentés par Al-Hajj Bakhit Bahar Mohamed Itno, ont décerné des attestations de reconnaissance au gouverneur et aux membres du comité de réconciliation pour les efforts fournis.